Là, je suis actuellement sur un poteau d'une pompe à essence et je vais faire un glitch pour voler grâce à ce pneu. On lance le pneu comme ça. Et regardez, j'ai vraiment volé et le poteau il s'est envolé et je suis mort. Je suis actuellement en sky base. Je dépose une pizza ici, je vais dessus et là regardez, la sky base est en train de se casser. Mais est-ce que grâce à la pizza je vais prendre aucun dégât de chute? Oui, c'est un mythe validé, la pizza enlève les dégâts de chute. Est-ce que la pizza rebondit sur la voiture? Oui, parfait, c'est incroyable. À ce qui paraît, dans cette nouvelle grotte il y a un glitch pour aller sous l'eau avec une voiture. What? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis où là? Les gars, c'est incroyable! Le glitch marche! On est vraiment les potes cachés sous l'eau, personne peut nous voir avec le glitch de la voiture. En plus, on a un corps dans la voiture sous l'eau. On est à la hauteur max. Et on va voir si les autres herbes stoppent les dégâts de chute comme les buissons. Allez, 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 allez! Bon bah, ça marche pas! Ça, c'est le nouveau pompe. Il tire comme un sniper. Mais jusqu'à où peut-il tirer? On va le découvrir maintenant. On est parti à 61 mètres. Ok, je viens de le toucher, j'ai mis un moins 35. On va reculer, hop là. Et là, on est actuellement à 70 mètres, c'est parti. Oh, ça touche toujours, moins 19. On va aller un peu plus loin maintenant à 75 mètres. Nope. Oh non, ça l'atteint pas. On va aller à 74 mètres. Toujours pas. 73 mètres. Non plus, ça ne marche pas. 72 mètres. Oui, ça marche, moins 15. C'est un mythe validé et la portée max de ce nouveau pompe est de 72 mètres. Dans la nouvelle mise à jour, les pneus font des dégâts aux objets. Oh! Quoi? Oui! Mais c'était quoi ce glitch ou ce bug de malade? Bref, ce qui vient de se passer est très étrange, mais est-ce que les pneus font des dégâts aux ennemis? Salam alaikum. L'ennemi a bougé mais n'a pris aucun dégât. C'est un mythe qui n'est pas validé. Est-ce qu'on peut tirer à travers les pneus? Bah oui, ça marche, c'est incroyable, ça a touché les véhicules. Et maintenant, est-ce qu'on peut tuer les joueurs à travers les pneus? Hop là! Oui, ça marche aussi. Qu'est-ce qui se passe quand le Clombo mange la carte? Mange la carte! Voilà! Maintenant, on va ouvrir le coffre-fort. Non, pas là-bas! Il faut aller là-bas! Bon, les couilles, frère. Bon, bah, malheureusement, il s'en fout. Ça, c'est une toilette qui est indestructible. Je vais tirer au lance-grenade quand ce joueur sera à l'intérieur et on va voir s'il va subir les dégâts. C'est parti, il est à l'intérieur. Est-ce que tu subis des dégâts, mec? Non, je subis aucun dégât. Peut-on bloquer un pad avec une pizza? Mais c'est incroyable! La pizza vient de rebondir sur le pad! Du coup, on ne peut pas bloquer un pad grâce à la pizza. Il y a 2 ans, ici, il y avait un glitch légendaire où on pouvait flotter. Et là, on est parti pour le refaire et pour voir s'il marche toujours après tant d'années. On doit commencer par faire ça, puis ça, puis ça, et pour finir ça. Et est-ce que ce glitch marche toujours après 2 ans? Oui, après le retour de Tilted, le glitch marche toujours. Regardez, on flotte. Peut-on encore faire flotter des gens au chapitre 3? C'est parti pour le découvrir. Et oui, regardez, ça marche, c'est incroyable. Il flotte et il ne tombe pas du tout. C'est un mythe entièrement validé. Là, je vais porter un de mes coéquipiers. Et la question est, est-ce que je peux réanimer un autre coéquipier tout en portant un coéquipier? Oui, ça marche, je réanime mon coéquipier en portant un autre coéquipier. Là, la question c'est, est-ce qu'on peut stocker du loot supplémentaire dans la voiture? On va commencer par casser la vitre de la voiture. On a les popos en main et on les met dans la voiture. Et de une, et de deux, et de trois. C'est un mythe validé, on peut stocker du loot supplémentaire dans les voitures. Mais maintenant, est-ce qu'on peut conduire avec ça dans la voiture? On va le voir tout de suite, c'est parti. Oh non, regardez, les popos, elles sont restées sur place. Mais au moins, c'est un nouveau mythe qui est brisé. Qu'est-ce qui se passe quand on met une tente sur une faille? Bon bah, il se passe rien. Et maintenant, est-ce que c'est possible de prendre la faille en rentrant dans la tente? Non, ça ne marche pas, je reste dans la tente. Est-ce que les nouveaux pneus font voler Clombo? Bah voilà, j'en étais sûr, c'est impossible et il vient de les manger. Comment vous voulez qu'un pneu de 5 grammes fasse voler un dinosaure de 500 kg? C'est tout simplement impossible. Est-ce qu'on peut faire un glitch pour devenir minuscule? Premièrement, on prend le petit pistolet, hop là, on clique, on devient tout petit, on fait exit. Ok, qu'est-ce que ça fait là? Aïe, 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 mais qu'est-ce que... Mais what? Ah bah les gars, c'est bon, on est minuscule, ça marche. Est-ce que je peux edit en étant minuscule? Mais c'est magique. Ça n'a pas été patch, c'est validé.
Est-ce qu'on peut recevoir un cadeau Fortnite en 2022? Oui, je viens juste de recevoir un cadeau de Faical 1990. Et si toi, tu veux que je t'offre un cadeau, c'est très simple. Tu as juste à t'abonner, mettre le code SUPUGO dans la boutique d'objets et surtout à commenter la vidéo avec un commentaire positif plus ton épique pour que je t'offre ton cadeau. Là, je suis actuellement en bateau et je vais faire un glitch pour me téléporter hors de Cover Cavern. Je vais mettre le bateau ici dans le coin, je change de place, je mets un cône et là je sors du bateau. Et regardez, c'est incroyable, ce glitch marche. Je viens de me téléporter au-dessus de Cover Cavern. Est-ce qu'on peut voler sur Fortnite? J'ai actuellement dans mon inventaire les gants de Spider-Man et le pompe exotique. Et grâce à ça, peut-être, on va réussir à atteindre la hauteur max. Je vais viser le haut de cette tour. Un petit coup, hop là, on lâche. Et là, on commence à tirer aux pompes à chaque fois. Et là, maintenant, c'est parti, on enchaîne. Ça m'a l'air très très lent. Bon, les potes, on se retrouve dans 24 heures. En vrai, ça marche bien, regardez, on voit des mecs en Spider-Man en dessous de moi. Mais les potes, c'est incroyable, personne me voit. Là, je sais pas les gars si je monte encore ou si je suis à la hauteur max. Il me reste plus que 2 balles. Et ouais, en vrai les gars, je pense que c'est un glitch et un mythe validé. Il marche, on a réussi à atteindre la hauteur max. Peut-on se noyer sur Fortnite? Là, j'ai mis un escalier, je vais aller dans l'eau. Et là, je vais nager sans m'arrêter sur l'escalier. Et normalement, après un petit moment, il va se passer quelque chose. Et regardez, je perds de la vie. Je perdais 1 HP, maintenant j'en perds 5. Il me reste 20 HP. 15, 10, 5. C'est un mythe validé. Imaginez qu'on arrive à ouvrir un coffre grâce à un pneu. C'est parti, on essaye. Incroyable, ça a directement marché. Est-ce que le glitch de la mort à Rocky Reels fonctionne toujours? Oui, ça marche! On était 3 et on vient de mourir à 3 d'un coup. Est-ce que les toilettes vous protègent du feu? Bonne chance, mon pote. Hop là, c'est parti. Aïe, 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 ça brûle, ça brûle. C'est un échec, mon pote vient de mourir. Les toilettes ne protègent pas du feu. Quand je saute sur un nénuphar, je rebondis. Mais là maintenant, la question c'est, est-ce que quand je mets une bombe collante sur un nénuphar, la bombe collante rebondit? On est parti pour essayer ça. Attention grenade! C'est un échec total. Peut-on faire un glitch pour voler avec un quad et une pizza? C'est parti, je saute et je mets un petit mur. Et maintenant, je vais devoir bien placer la pizza au-dessus du quad. Comme ça. Maintenant, je vais sur la pizza et je casse le mur que je viens de mettre. Ok, la pizza est sur le quad. Maintenant, je rentre sur le quad. Quoi? C'est incroyable! Je vole avec la pizza? C'est quoi ce glitch? Il marche à 1000%? Peut-on conduire et se mettre du shield en même temps? On va voir ça tout de suite. Hop là, on met le baril à peu près ici. Ok, la bonbonne de shield nous donne plein de shield. Hop là, on édite. Et là, la bonbonne de shield est sur la voiture. Et maintenant, c'est parti, on conduit. Et en même temps, regardez ma barre de shield, elle continue à augmenter. C'est un mythe qui est validé avec succès. Pouvez-vous tirer sur l'étoile pour tuer vos ennemis? On va voir ça maintenant, c'est parti. C'est un mythe validé, cet ennemi vient de mourir. Les poulets rebondissent-ils sur les pads? C'est parti pour le découvrir. Au début, j'y ai cru. J'ai vu l'effet quand on prenait le pad. Mais c'est un échec total. Est-ce que Supugo va montrer sa tête? Oui, si tu t'abonnes tout de suite, maintenant, il la montrera dans pas longtemps. Alors dépêche-toi, abonne-toi. Je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Et enfin, pouvez-vous avoir des V-Bucks gratuitement? Oui, je fais gagner 5000 V-Bucks à 5 nouveaux abonnés maintenant. Pour participer, tu as juste à t'abonner, liker cette vidéo et surtout à mettre le code SUPUGO dans la boutique Fortnite. S-U-P-H-U-G-O. Bonne chance à tous et à la prochaine.